physical strength is no substitute for perception. For perception is the key which unlocks the intangible power of the spirit. You perceive nothing.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi, encore une fois, de pré-tempête. Et oui, encore une tempête au Québec qui s'amène en fin de semaine. Un autre 20 cm, je pense, un petit peu plus. Donc on est gâté cet hiver pour les skieurs, les amateurs de plein air. C'est pas la neige qui manque. Et on dirait que j'ai comme l'impression que ça va s'étirer cette année en plus. Donc... attention à vos toitures, je me promène, je prends des marches le soir, là, puis je regarde les maisons, puis j'ai dit, oh, il y en a qui sont vraiment pas nerveux là, de voir cette quantité de neige-là sur le toit, puis laisser ça là. Il suffit qu'il mouille un petit peu, puis il peut arriver quelque chose de terrible. Donc, grosse semaine, les amis, en fait, pour moi, je sais pas si ça paraît dans mon visage aujourd'hui, mais les semaines de Rogue, on a eu le Rogue à Québec cette semaine, et les semaines de Rogue sont toujours un petit peu plus éprouvantes, ça fait des bonnes journées. Il y a un petit stress qui s'installe, c'est toujours la crainte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond pendant les rugs, comme un présentateur qui se présente pas, qui est malade, ou un, tout simplement un des présentateurs qui l'échappe, mais finalement ça va bien, à chaque fois ça va super bien, les commentaires sont bons. Donc bien content qu'on ait exécuté ça cette semaine, et le prochain et la semaine prochaine à Montréal. Donc cette semaine, j'ai rien de précis, rien de fixe comme sujet. En fait, j'ai un paquet de petites choses pour vous, un paquet de nouvelles, des sorties encore une fois. Mais je vais prendre le temps de parler de Satellite 6.4, ce qui s'en vient avec Satellite. On a eu des infos sur 6.5 qui, je crois, on peut communiquer. En tout cas, je me croise les doigts. Peut-être qu'Éric, si tu es là, je pense que tu es là, Éric. Tu peux confirmer si on peut partager les nouveautés de 6.5. Je dirais qu'il n'y a rien de vraiment secret dans ça, mais des belles petites améliorations. Donc, je vous présenterai ça dans quelques minutes. Sinon, comme petite vidéo en intro, je vais vous montrer quelque chose qui circule en ce moment sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous l'avez vu concernant la popularité des marques. Tiens, on va switcher d'écran. On va regarder ça ensemble. Donc, c'est une petite vidéo qui circule sur Internet. Je vais regarder ça un peu trop fort. Une belle petite musique en plus. On va juste baisser ça un petit peu. Donc, c'est une vidéo qui montre en fait au travers le temps la valeur des marques. Donc, on voit qu'en 2010, le Coca-Cola, IBM, Microsoft dominaient. Je vous laisse trouver qui, en 2018, est populaire. Je pense que c'est assez évident. Regardez ici la progression de Google en 2011 face aux autres marques. Vous allez voir apparaître bientôt. On voit Apple qui grimpe quand même assez rapidement. Vous allez voir Amazon aussi arriver très rapidement et monter très vite dans le classement. Il n'y a pas de grande surprise dans cette vidéo-là. Lorsqu'on suit un petit peu les actualités, c'est pas une surprise de voir Apple monter vite comme ça et rester à ce trône-là pendant plusieurs années. Par contre, regardez là, Amazon, la progression de Amazon. Je vais juste l'avancer un petit peu plus vite. J'espère que ça va bien. Les gens qui me regardent en direct, j'espère que tout est beau. Je suis sur mon nouveau laptop. Première fois que je diffuse avec mon nouveau laptop. Ça semble être beau ici. En tout cas, le son semble être bon. Je vois pas de lag non plus. Donc la vidéo, les années se poursuivent. Vous voyez Apple prendre de plus en plus de place. On a commencé à voir apparaître Amazon. Vous allez voir Amazon gagner en position assez rapidement aussi. Donc votre top 3, c'est quoi? On a déjà les deux premières positions. La troisième va être qui? Donc on voit Amazon tailler une place importante assez rapidement au niveau de la marque. Non, Red Hat n'est pas là malheureusement. Red Hat, on est une compagnie hein, qui focus plus aux entreprises, pas une compagnie grand public. Là, ce que vous voyez ici vraiment, c'est des compagnies qui œuvrent dans le monde du public bien sûr. Là. Donc, on est IBM maintenant. IBM qui recule ici par contre. Là. Facebook qui monte. Qu'on approche de la toute fin. Donc vous allez voir Amazon à la toute dernier moment dépasser Microsoft. Donc c'est intéressant. Une petite vidéo qui circule sur LinkedIn. S'il y en a qui veulent qui aimeraient se mettre la main sur la vidéo, envoyez-moi un message. Ça me fait plaisir de vous partager si vous ne l'avez pas vu passer sur LinkedIn encore. Donc le top 3, Apple, Google, Amazon, suivi de Microsoft, Coca-Cola dans le top 5. Donc c'est intéressant, une petite vidéo intéressante qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc, en rappel,
pour ceux qui c'est la première fois qui me regardent, vous pouvez vous inscrire à une liste de diffusion si vous voulez être notifié par courriel quelques jours avant mes diffusions. Faites juste m'envoyer un courriel, courriel qui est en haut ici, avec comme sujet abonnement Twitch. Donc, vous allez aller dans un fichier spécial et à chaque fois que je renvoie des sur Google Doc, et à chaque fois que j'annonce un épisode, vous allez recevoir les informations. Donc, j'envoie deux envois, une le mercredi et une le vendredi matin comme rappel. Sinon, vous pouvez toujours consulter les anciens épisodes sur mon canal YouTube. Donc, je vous passe le lien sur le chat encore une fois. Et tiens, on va le regarder ensemble, pour vous montrer. Donc, sur YouTube, toutes mes vidéos, toutes les émissions qui ont été faites, on est à la 14e épisode. Vous les avez en intégralité. Et si vous cliquez sur un épisode quelconque, dans le détail ici, vous avez ce que j'ai véhiculé comme information, les liens que j'ai présentés, que j'ai partagés, pardon, et même à l'occasion, je mets des petits scripts de démo dans la description. Donc, l'adresse est ici, vous pouvez la prendre en note. Oups. Sinon, je voudrais peut-être dire un petit merci à ceux qui me regardent, tout spécialement Vincent, Pascal et Alain, cette semaine, qui sont venus me voir après le Rogue, qui m'ont félicité pour le travail que je fais sur Twitch. Donc, c'est le fun, de, messieurs, merci d'abord de vos commentaires, vos encouragements, et surtout vos suggestions. Il y en a certains qui m'ont proposé... Des petits points. Donc, écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, que ce soit positif ou négatif, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Si vous avez des suggestions aussi de sujets que vous voudriez voir traités pendant l'émission, c'est toujours un plaisir là, de recevoir vos commentaires, que ce soit positif ou négatif, là, dans le but de construire, de s'améliorer. J'apprécie beaucoup. Maintenant, changeons de sujet. On va passer au prochain sujet, sujet que je couvre régulièrement à tous les épisodes, sur quoi j'ai travaillé dans les dernières semaines. Donc, on s'est vu voilà, environ 3 semaines. Donc, j'essaie de diviser aux 3 semaines pour ceux que c'est la première fois qu'ils écoutent l'épisode. J'essaie de garder ça régulier. 3 semaines, c'est pas beaucoup. Je sais qu'il y a des streamers qui streament 2-3 fois par semaine. Mais dans mon cas, bon, je le fais dans le cadre du travail, bien sûr, sur l'heure du dîner le vendredi. Avec l'horaire qu'on a, la famille, là, c'est difficile de mettre plus de temps dans ça. Si un jour j'ai plus de temps, on pourra diffuser plus régulièrement. Mais en même temps, ça me permet de collecter l'information, de ne pas tout être redondant dans chacun des épisodes. En 3 semaines, je pense que c'est un bon rythme. Et ça me permet de me donner le temps de trouver du contenu intéressant pour vous. Donc, sur quoi j'ai travaillé dans les 3 dernières semaines, tout d'abord, cette semaine spécialement, des entrevues, car on embauche beaucoup chez Red Hat ces jours-ci. Nos managers ont des ce qu'on appelle des recs à remplir, et je pense qu'ils se pressent un petit peu avant que IBM officialise l'acquisition. Donc, on a plusieurs postes du côté de l'architecture d'ouvert, on a plusieurs postes. On a plusieurs postes aussi du côté service et du côté support d'ouvert. Donc j'ai passé des entrevues cette semaine, ça faisait un petit bout que j'avais fait ça. Et c'est toujours le fun de passer des entrevues, de voir vraiment l'intérêt que les gens ont envers Red Hat. On a eu beaucoup de candidatures et c'est le fun d'entendre les gens parler de Red Hat. C'est un rêve pour eux de travailler chez Red Hat. Moi, ça fait bientôt 10 ans que je suis avec Red Hat. En quelques mois, j'ai toujours un plaisir depuis la journée 1 que j'ai rentré travailler chez Red Hat. On s'ennuie pas, toujours motivant. Mais c'est sûr que le côté « wow » après 10 ans n'est pas autant là que la première journée. Mais je me souviens, première journée, quand je suis allé arriver à Raleigh, au campus de Red Hat, il y avait un gros logo de Red Hat. On était très, très fiers de se faire prendre en photo à côté de ce logo-là et de dire « aujourd'hui, on travaille maintenant chez Red Hat ». Donc, je demande que c'est encore le cas pour les gens qui se joignent à l'équipe, là, de cette excitation-là de rejoindre la compagnie Red Hat. Sinon, j'ai continué de travailler à ma promotion. J'ai parlé au dernier épisode que je suis en train de... J'ai appliqué sur une promotion chez nous qui me ferait passer à architecte principal. Donc, sous suggestion de mon manager, bien sûr.
Donc, j'ai travaillé dans les derniers mois à collecter l'information, aller chercher les références, construire des dossiers sur ce que j'ai travaillé dans les 10 dernières années. C'est un travail assez titanesque, je vous dirais. J'ai présenté un premier document au comité interne il y a 2 semaines. Donc, un document de trentaine de pages, 25-30 pages environ, sur ce que j'ai fait, mon historique un peu chez Red Hat. Et ça a été revisé et accepté vendredi dernier. Donc, j'ai mon go pour aller présenter au comité officiellement au retour de la relâche. Et ce matin, on a eu un meeting de préparation. Tu expliques un petit peu comment ça allait se passer. Et je dois avouer que c'est un peu stressant. Beaucoup de monde qui va être présent. Tout est super bien organisé, super bien structuré. Donc, il faut aller là. Puis, en fait, il faut se vendre. Il faut dire pourquoi on mérite cette promotion-là. Donc, c'est pas quelque chose que je fais au jour le jour. De raconter qui je suis et qu'est-ce que je fais de bon. Donc, c'est un défi pour moi, bien sûr. Mais par contre, avec 10 ans de bagage chez Red Hat, je peux vous dire que j'ai beaucoup de choses à raconter. Donc, dans la plupart des points qui sont demandés, j'ai plusieurs histoires à raconter. Donc, ça devrait être que formel, j'espère, en tout cas. J'en donnerai de nouvelles à la prochaine épisode. La prochaine épisode, en théorie, je devrais avoir passé. Et on va tourner la page. Donc, parallèlement à cette promotion-là me demande un rafraîchissement de mon RH chez eux. Donc, j'ai étudié ça assez rigoureusement aussi cette semaine. Donc, pour essayer d'aller passer l'examen, pas pour essayer, mais je vais aller passer l'examen mardi. J'espère réussir du premier coup. Les présentations du ROG, bien sûr. Je présenterai le 8 au ROG cette semaine. Donc, basé un petit peu sur ce que j'ai fait dans les derniers épisodes. Donc, j'ai construit cette présentation-là, partagée avec mes collègues internes, des product managers. Donc, c'était rigolo les feedbacks que j'ai eus. Mais c'est une présentation que je maintiens, que j'update assez régulièrement. Quand je joue avec Red Hat, je trouve des choses intéressantes. Donc, je la maintiens, cette présentation-là. Et sinon, c'est la fin d'année fiscale chez nous. Donc, on finit l'année 2019. On est un peu en avance, là, mais c'est l'année 2019 qu'on termine à fin février chez Red Hat. Lorsqu'une fin d'année fiscale comme ça, nous, les architectes, les gens qui sont support aux ventes, on est moins sollicités parce que les vendeurs, en fait, ce qu'ils essaient de faire en fin d'année fiscale, c'est closer les deals. Donc, ils travaillent à rencontrer les clients et négocier. Donc, cette portion-là, on est souvent moins impliqués. Donc, le timing est bon pour moi pour travailler sur ma promotion, bien sûr, mon étude RHE. Donc, c'est en gros, c'est ce que j'ai fait dans les dernières 3 semaines. Sinon, je regarde le chat, je vois Arsenic, oui, ETH à 200 Canadiens. Ça fait du bien de voir la crypto remonter après plusieurs mois de descente. Depuis quelques semaines, ça semble se replacer, donc c'est le fun. Je dois avouer que j'avais pas jeté l'éponge, mais j'avais mis ça de côté, là, voyant que ça tombait tout le temps. Peut-être pas un bon investisseur. C'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Mais bref, j'avais mis ça de côté un petit peu, mais effectivement, tu as raison, Arsenic. On va peut-être voir l'ETH d'ici la fin de l'épisode passer à 200 $, ça serait bien. OK, maintenant, assez parlé de ce que j'ai fait. Passons à la prochaine rubrique. Oups, petite faute ici. Donc, les prochains événements. J'ai pas. On n'a pas des tonnes d'événements qui s'en viennent chez Red Hat, hormis le ROG de Montréal, en fait, qui devait avoir lieu le 20 février, mais qui a été. Qu'on a dû déplacer le 27, pardon, à cause qu'une tempête de neige, donc il y avait une grosse tempête, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 20, la semaine passée, en fait, c'est la semaine passée, oui. Pas le 20, excusez. C'est le 13, parce que le 20, c'était hier. Donc, non, mercredi, voyons, j'ai la misère avec mes dates aujourd'hui. Donc, le 13 devait avoir lieu le ROG, donc on l'a déplacé à cause de la tempête le 27. L'événement que je vais vous parler, j'en ai parlé cette semaine au ROG, mais peut-être remettre une emphase encore une fois aujourd'hui, c'est le Red Hat Summit à Boston qui a lieu cette année du 7 au 9 mai prochain. L'agenda n'est pas encore sorti, mais ce que je peux vous dire sur l'agenda, et tiens, on va passer en plein écran ici. Ce que je peux vous dire sur l'agenda, c'est que les gens qui ont confirmé, pas les gens, les gens qui ont soumis des talks ont été sélectionnés un peu plus tôt cette semaine ou en fin de la semaine passée. Donc, les gens ont reçu leur confirmation ou non. Et je sais que certains parmi vous avaient soumis des talks.
qui n'ont pas été retenus. À ma grande déception, j'aurais aimé voir des gens du Québec présentés au summit. Mais sachez qu'on reçoit une quantité astronomique de soumissions. Il y a un comité qui sélectionne et qui essaie de rendre ça le plus diversifié possible, le plus intéressant possible pour les gens qui vont se présenter. Pas que vos présentations t'es pas bonnes, mais je peux pas, j'ai pas le détail sur les critères de sélection, mais sachez qu'il y en a des tonnes et d'être refusé, c'est faut pas s'arrêter à ça, faut continuer. Je conseille de resoumettre l'année prochaine. Et ne pas lâcher. Peut-être que aussi à Boston, si je me souviens bien, on n'a pas énormément d'espace. Je devine qu'on n'était pas en mesure d'offrir beaucoup de sessions cette année. Je lance ça comme ça, j'ai même pas vu l'agenda, là. J'ai même pas vu les sessions qui ont été sélectionnées. Mais chez Boston, il me semble que l'environnement, l'endroit où on fait le summit est plus petit qu'à San Francisco. Donc on devrait voir l'agenda se mettre à jour ici avec un détail. Des sessions. Ah, ben, regardez donc ça. Full session catalogue, est-ce qu'il est disponible? Je n'avais pas remarqué. Bien oui, regardons ça. 360 sessions, et oui, ben, c'est disponible maintenant. Excellent. Donc, je viens de l'apprendre en même temps que vous. Je pense que je suis allé voir un petit peu plus tôt cette semaine, mais ce n'était pas sorti encore. Donc, on a tous les sessions. Est-ce que je suis dans la bonne année? Ça semble être beau. Bref, 360 sessions, c'est quand même pas rien. Différentes tracks, oui. Je ne sais pas s'ils ont annoncé aussi les spectacles. Ça, c'est intéressant. L'année passée, on avait eu Weezer. Il avait été super en passant, le spectacle. J'en avais parlé, justement. En fait, je me rappelle, l'année passée, j'ai parti l'épisode sur les émissions sur Twitch une semaine ou deux avant le summit. Et au Red Hat Summit, des gens m'en avaient parlé. Là, donc, sur ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais juste voir si on a d'autres choses. Non, on n'a pas le groupe. Le groupe n'a pas été annoncé encore. Je devine qu'il va y avoir un groupe cette année ou un party quelque chose à la fin. Chaque année, on en fait. J'espère qu'ils n'ont pas retiré ça. Parce que c'est une belle récompense de finir la semaine avec ce genre de spectacle-là. Donc, on verra. On verra cette année. Donc, c'était ce que j'avais comme prochain événement. On n'a pas de date toujours confirmée pour Istio à Québec. Martin Sauvé, mon collègue Martin Sauvé qui livre ce workshop-là, est absolument débordé en ce moment. Donc, dès que Martin a un peu plus de temps, on va regarder là, pour céduler le workshop Istio à Québec, pardon, parce qu'on l'a fait à Montréal avant les fêtes. OK, prochaine section. Section qu'on va passer, je pense, beaucoup de temps aujourd'hui, qui est la section des nouvelles, des trouvailles. Donc, un paquet de petites nouvelles intéressantes cette semaine pour vous. Tout d'abord, vous montrer un rapport que Gartner a sorti. Donc, un rapport que Gartner sort sur une vingtaine de compagnies en informatique qui les notent. Donc, on a eu droit à ce rapport-là cette semaine. Je vous montre ça. Donc, pour la cinquième année en ligne, je crois, on est raté positive. Donc, c'est une très bonne note. Et dans certains secteurs, en fait, d'évaluations que Gartner fait, on est même très, très fort. Donc, dans la technologie, méthodologie, on est très bien coté sur le marché. Et la viabilité au niveau de la compagnie aussi très, très forte. Je ne sais pas si on a tenu compte de l'acquisition ou non de IBM dans cette analyse-là, mais certes qu'on soit acquis par IBM ou non, la compagnie va toujours bien, on croit constamment, les revenus sont toujours présents, donc ce n'est pas un problème à ce niveau-là. Donc je vous invite à lire le rapport si ça vous intéresse. Ce qui sort un petit peu, j'ai sorti les grandes notes un petit peu du rapport, et il n'y a rien qui va vous surprendre ici, là. On est vraiment, nous positionne comme maintenant une compagnie très stratégique pour les entreprises, parce qu'on a un portfolio de logiciels qui est multiproduit, donc on ne fait pas juste Linux maintenant, mais on touche à plusieurs secteurs, donc que ce soit du compute, storage, automation, management, cloud et middleware, donc on est vraiment... une compagnie qui fait du multi-produit et reconnue aussi dans tous ces produits-là. Ce que le rapport mentionne, c'est que les gens qui s'en vont vers les applications, qui font des applications de plus en plus mode 2, donc utilisent principalement du logiciel open source. Donc, c'est rien de nouveau pour vous, sans doute, mais ici, on le confirme.
par une grande firme comme Gartner, qui nous dit que oui, le mode 2, là, c'est pratiquement que du logiciel open source qui se retrouve là. Et comme Red Hat est leader dans l'open source, ben, on sort champion de ça. Et finalement, il mentionne aussi qu'il est super important dans le monde aujourd'hui où on a de plus en plus de cloud providers, que les solutions de Red Hat, que Red Hat offre des solutions multi-cloud, des solutions hybrides aussi qui fonctionnent avec plusieurs clouds. Donc, on mentionne l'expertise, bien sûr, assez pointue au niveau de Kubernetes et l'écosystème Docker. Alors, c'est ce qui sort du rapport. Pas de grande surprise, mais venant de Gartner, ça donne du poids. Si vous avez besoin d'un coup de main, peut-être pour convaincre vos patrons de considérer nos technologies, bien avec un rapport comme ça, généralement, ça donne un bon coup de main. OK, sinon, autre petite nouvelle ici, tiens. Petite nouvelle sur OpenShift. En fait, c'est pas une nouvelle, c'est plutôt quelque chose qui va vous aider à comprendre les opérateurs avec OpenShift. Parce que c'est des questions qui reviennent souvent. C'est quoi un opérateur avec OpenShift, un opérateur Kubernetes? Qu'est-ce que ça fait exactement? Qu'est-ce que ça ajoute de plus dans OpenShift? Donc, je vous montre un petit article ici. On va switcher le deuxième écran. Donc, je vous montre un petit article ici qui a été relâché là une semaine environ. Qui est une personne que je ne connais pas personnellement, là, mais qui a fait un super bon article pour défricher un petit peu c'est quoi les opérateurs Kubernetes, c'est les opérateurs aussi qu'on utilise dans OpenShift. À quoi ça sert et de où ça sort et où on s'en va, où ils s'en vont, où Kubernetes s'en va avec les opérateurs. Donc, super bel article qui décrit très bien c'est quoi. Et même ce que j'ai fait, vous voyez ce qui est en jaune ici, là, c'est moi qui l'ai souligné. Vous ne retrouverez pas ça dans l'article. Là. Donc, c'est un petit plugin de Chrome en passant qui permet de souligner des choses dans des articles. Donc, au lieu de faire imprimer des articles et souligner, maintenant, on fait ça directement à l'écran. Donc, on sauve du papier. Donc, ce que ça dit en gros, qu'est-ce que c'est les opérateurs Kubernetes, opérateurs OpenShift. On a le descriptif, ça que je peux vous laisser lire, là, vous traduire là, très rapidement. Donc en fait, lorsqu'on déploie une application sur OpenShift ou dans Kubernetes, on ne devrait pas avoir à faire de la configuration manuelle. On devrait, si les gens qui ont développé cette application-là pour rouler en container devraient avoir fourni en fait tout ce qu'il faut pour scale automatiquement, qui se mettent en cluster, que s'il y a une failure, ben, il redémarre automatique. Donc, c'est une façon, en fait, intelligente de packager des applications pour rouler sur Kubernetes. En gros, c'est ce que ça dit, ce point ici. Quoi d'autre ici? On donne un exemple, etcd. Lorsqu'on dit qu'on fournit etcd pour Kubernetes, etcd devrait être un first class object dans Kubernetes. Et on ne devrait pas avoir à configurer etcd manuellement. On devrait, quand on prend cette application-là et on la roule dans Kubernetes, ben déjà elle sait qu'elle est dans Kubernetes et elle sait ce qu'elle a à faire si elle fait failure ou quoi que ce soit, c'est comment démarrer le service, comment l'arrêter, comment gérer son cycle de vie. Donc c'est vraiment pour opérationnaliser en fait les applications dans un cluster Kubernetes. Donc c'est quelque chose qu'on offre au travers OpenShift, comme OpenShift est basé sur Kubernetes, les opérateurs s'y retrouvent aussi. Donc, j'invite, je ne vais pas aller trop dans le détail parce que c'est vraiment pas mon champ d'expertise non plus chez Red Hat, comme vous pouvez entendre. C'est pas quelque chose que je suis super à l'aise, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose qui est très important dans OpenShift aujourd'hui, qui va devenir de plus en plus important du monde. Donc, c'était une petite trouvaille que j'avais faite comme article que je trouvais bien à partager avec vous. Donc, je pourrais... Est-ce que je l'ai copié? Non, je ne l'ai pas copié. Je vous copie. En fait, je vais faire... Tiens, je ne l'ai pas fait. Je vais copier celle de Gartner. Si vous voulez aller voir de quoi ça a l'air, le document de Gartner que j'ai présenté. J'ai oublié de le copier dans le chat. Et je vous copie dans le chat aussi les opérateurs OpenShift. L'article que je viens de vous présenter. Sinon, quoi d'autre comme autre nouvelle trouvaille? Ansible sur Azure Marketplace. Et là, j'y vais un petit peu à l'aveuglette. Puisque je n'ai pas fait de test encore de ça.
Quand je dis je vais à l'aveuglette, je vous explique pourquoi je vais à l'aveuglette. Je vais copier l'article si vous voulez la suivre en même temps. C'est un article quand même assez court, mais qui explique que maintenant, sur Azure, vous pouvez commander des appliances, donc des instances qui vous permettent de lancer directement une machine Ansible. Moi, je n'ai pas regardé à l'intérieur. On va le voir, tiens, ici. Je n'avais pas vu qu'il y avait ça. Donc, je n'ai pas eu le temps, ça est allé trop vite. Je n'ai pas regardé ce qu'il y a à l'intérieur, quelle sorte de Linux qui est là. Est-ce que c'est un réel? Est-ce que c'est un CentOS? Est-ce que c'est un Ubuntu? Je n'ai pas regardé. Mais je trouvais quand même l'initiative bonne de Microsoft. Donc, si vous voulez démarrer rapidement avec Ansible, avoir un nœud de contrôle Ansible rapide dans Azure, donc éviter d'installer une machine, de configurer. Donc, Azure le fait pour vous. Je ne sais pas si on va le voir ici. On est en train de montrer une petite démonstration. 276. Bon, bref, on n'a pas plus de détails qu'il faut. J'en profite en même temps, peut-être donner un petit truc avec Ansible. Pourquoi j'installerais un contrôleur Ansible dans Azure? Eh bien, le contrôleur Ansible, là, la machine qui va automatiser les instances dans Azure, ou peu importe, là, quand on déploie un contrôleur Ansible, idéalement, le contrôleur, il faut qu'il soit proche de vos machines qu'on gère. Donc, si vous voulez gérer des machines dans Azure, puis votre contrôleur Ansible est on-premise ou peut-être dans Amazon, c'est pas l'idéal. Oui, si vous avez une dizaine de machines, ça peut faire, mais souvent, si on en a des centaines, des milliers, on va aller chercher un peu de performance pour avec Ansible, c'est mieux de mettre le contrôleur le plus proche possible. Donc, de savoir qu'il y a cette appliance-là fournie par Microsoft, ça peut peut-être vous aider à rapidement démarrer avec Ansible dans Azure. Donc, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui utilisez Ansible. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous aussi qui utilisez Azure maintenant. Combinaison des deux. Et s'il y en a, j'ai... Ah, ben oui, regardons ça. Je réponds à ma question ici. Donc, la saveur de Linux, c'est vraiment Red Hat qui est ici, je pense. Non, c'est pas Red Hat, ça ne dit pas ça. Bref, si c'est quelqu'un qui l'essaie, vous me direz quel Linux qui est en dessous de ça. Et j'espère que c'est Linux à saveur Red Hat, du moins. Ça me surprendrait peut-être que ce soit réel, mais ça peut être un CentOS. Donc, c'était un autre petit trouvaille. Sinon, quoi d'autre? Oui, c'est un client qui m'a fait part de ça, qui m'a dit que c'était génial. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Mais bref, c'est toujours bon de revenir. Je l'ai tué ici. Non, je vais la mettre ici. OK, je vais juste... Ouais. OK, donc c'est un point central où vous allez retrouver des webinars, des trainings Ansible sur le site ansible.com. Donc on fait régulièrement des webinars sur Ansible, sur un paquet de sujets. Donc ici, on les a tous consolidés depuis plusieurs années, comme vous pouvez voir. Mais si vous n'avez pas eu la chance d'assister à ces webinars-là, je vous invite à aller les voir. Il y a un client qui m'en a parlé dernièrement. Il m'a dit qu'il trouvait ça génial, qu'il commençait avec Ansible. Donc, je viens de mettre le lien dans le chat. Donc, je vous invite à aller y jeter un œil. J'ai participé à plusieurs de ces webinaires-là déjà. Automating Your Network, je suis déjà allé. Tip and Tricks aussi. Donc, des bons webinaires à regarder. Si vous voulez savoir comment apprendre à écrire des modules pour Ansible, qu'on fait du plus avancé avec Ansible, ça peut être intéressant. Donc, un paquet de vidéos propres à Ansible qui vous aident à partir ou à approfondir vos connaissances. Tout ça est gratuit. Donc, profitez-en. Vous parlez d'un petit sujet, une petite discussion qui a été lancée sur Reddit. Je ne sais pas si vous consommez Reddit. Moi, je consomme Reddit régulièrement. En fait, j'ai même deux comptes Reddit. Donc, j'en ai un plus personnel pour lequel j'ai mis des sujets qui n'ont pas rapport avec le travail nécessairement. J'en ai un plus professionnel, des choses qui ont rapport avec Linux, avec REL. Donc, j'adore Reddit, vraiment, c'est beaucoup d'informations qu'on trouve, beaucoup d'interactions avec les gens qui posent des nouvelles sur Reddit. Mais par contre, il faut faire attention, les amis. Il faut faire attention, comme à bien des endroits sur Internet, sur les internets. Donc, il faut faire attention à ce qu'on y trouve, OK? Pas parce que c'est écrit sur Reddit que ces gens-là détiennent l'ultime vérité.
Hein? Donc, il est sorti un article un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt. Je vois que ça fait une journée. J'avais l'impression que c'était plus long que ça. Donc, je pense que c'était hier matin que c'est sorti. Donc, comment améliorer l'écriture de ses playbooks, l'exécution de ses playbooks Ansible de 600%. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, OK. Est-ce que, de un, je regarde toujours la source, hein, qui a écrit ça. Vous voyez ici la personne qui a écrit ça. Moi, c'est pas une personne que je connais, là. C'est pas une référence en Ansible du tout. Et de deux, il n'y a pas de petite case à côté qui dit que c'est un employé Red Hat. Bon. Généralement, lorsque les employés Red Hat mettent de l'information sur Reddit, on est capable de savoir que ça vient de nous. OK, on est lié. En fait, quand on crée notre compte sur Reddit, on peut lier notre compagnie. Je vous dirais que je dis pas que tout le monde le fait chez Red Hat, là, mais je sais qu'il y a plusieurs ingénieurs qui le font. J'ai plusieurs personnes que je suis sur Reddit qui le font. Je l'ai fait moi aussi. Donc, on peut valider un petit peu la source. Donc, comme n'importe quoi sur Internet, là, pas parce que c'est écrit sur les éternels que c'est l'ultime vérité. Il faut faire attention à ce qui est écrit. Et ici, je pense que la personne avait un paquet de bonnes intentions. Mais puis, ce que je trouve valeur un petit peu dans les commentaires, c'est que les gens tombent sur le dos. « Wow, super, je savais pas ça, je vais le faire moi aussi. » Ce qui est présenté ici dans cet article-là, c'est, on parle de technologie pipelining, de l'option pipelining de Ansible et une espèce de plugin qui s'appelle Mitogen, okay, qui, selon plusieurs, augmente la vitesse d'exécution de Ansible. Le monsieur qui a fait l'article, je pense que ce qu'il a fait, tout simplement, c'est qu'il a pris son environnement, il a spiné une couple de machines dans le cloud et il a fait ses tests. Il a fait ça par lui-même, par plaisir probablement, puis on a fait un article, et l'article a fait réagir beaucoup. Moi, je l'ai transmis, en fait, aux développeurs d'Ansible. J'aurais demandé leurs opinions sur ça, parce que je commençais à avoir des clients qui m'écrivaient sur Mitogen, ils me demandaient si c'est quelque chose qui était supporté par Red Hat, et ainsi de suite. Donc, j'ai eu une super bonne réponse. Je pourrais peut-être en partager des bribes dans quelques instants, mais bref, j'ai pas demandé la permission encore aux développeurs. Mais en gros, ce que le développeur nous dit, c'est qu'il faut faire attention à tout ça. Il faut faire attention à ce qu'on trouve sur Internet, la façon dont les tests ont été faits. Le développeur suggère d'autres tests qui auraient dû être faits. Donc, en fait, de faire attention, valider vos sources, puis pas tout prendre pour acquis ce qui se passe sur Internet. Donc, c'est quelque chose que je dis souvent à mes enfants. Donc, pas parce que c'est écrit sur Internet que c'est vrai. Donc, il faut avoir différentes sources. Et par chance, ben pas par chance, mais j'ai un client, en fait, quelqu'un qui est peut-être avec nous aujourd'hui sur le Twitch, qui nous a envoyé une note sur ça, justement. Et je pense que la personne était très... le client était très... a eu la bonne attitude, pardon, de vérifier avec nous les dires de ce qui se retrouvait à l'intérieur de cet article-là. Et moi, ça, et ce que j'ai fait, j'ai transféré au développeur et j'ai eu un bon retour. Finalement, pour faire attention, Mitogen, c'est pas une grosse compagnie. On a essayé à plusieurs occasions chez Red Hat de communiquer avec eux parce qu'on trouve ce qu'ils font est très très bien, mais ce qu'ils font peuvent casser d'autres choses dans Ansible. Donc on a essayé par le passé de travailler avec eux. Ça a été difficile, pas beaucoup de réponses, mais dernièrement, il semblerait-il que ça répond un peu mieux. Donc, et c'est quelque chose qu'on garde, qu'on va travailler avec eux pour améliorer son intégration avec Ansible. Mais pour l'instant, la recommandation, c'est, vous pouvez l'explorer, l'essayer, mais prenez pas Mitogen pour rouler en production. Donc, faire attention, mais utilisez plutôt la capacité, une des capacités importantes dans Ansible qui donne la performance, c'est le pipelining, l'option pipelining, d'activer cette option-là. Qui va améliorer la performance et souvent qui va à côté un peu ce que les gens de Mitogen ont développé, ont donné un off en performance. Donc, c'était une petite parenthèse sur un article qui est publié sur Reddit, qui a fait jaser, qui a fait couler beaucoup de... pas beaucoup d'encre, mais qui a fait couler d'encre chez nous et sur Reddit, en fait. Tiens, je vais partager avec vous quelque chose. Justement, le développeur nous disait... si vous voulez faire des tests de performance avec Ansible, là, allez-y ici avec ce projet-là. Donc, le projet qui s'appelle « J'ai pas essayé, j'aurais aimé essayer, mais j'ai eu l'information ce matin, Ansible Baseline », qui est un playbook pour tester les performances d'Ansible. Okay, donc, on va aller chercher des métriques
lorsque c'est le temps de lancer nos playbooks et voir comment ça s'exécute. Mais quoi, je peux pas vraiment vous en parler parce que je ne l'ai pas essayé, mais le développeur a suggéré cet outil-là, en fait, pour valider un peu l'exécution de vos playbooks, combien de temps ça prend, et ainsi de suite. Donc, intéressant concept le fun. C'est quelque chose, effectivement, que je vais regarder dès que j'ai quelques minutes. Les prochaines semaines sont occupées, donc... on verra. Quand on va avoir le temps d'y toucher, je vous en donnerai des nouvelles. Et finalement, dans les dernières trouvailles, on va dire qu'on est sur Netflix maintenant chez Red Hat. Donc, juste pour le fun, je vous montre ça. C'est un collègue, un de nos collègues, qui a trouvé cette série-là. Je pense que c'est une série ou un film. Regardez le chapeau. Donc, Carmen Sandiego avec le chapeau de Red Hat qui est sur Netflix. Donc, j'ai pas regardé l'épisode. Là. C'est juste une petite joke interne que j'ai décidé de partager avec vous. On trouvait le logo très ressemblant au logo de Red Hat. Donc, ça met fin aux petites trouvailles, aux articles que je voulais partager avec vous. Donc, prochaine section, je vais vous parler des dernières sorties de nos produits. Donc, pour ceux qui étaient au Rogue cette semaine, ça va être un peu du remarché pour vous. Mais j'en ai peut-être un petit peu plus que vous. Puis un petit peu plus pour vous que ce que j'ai donné en fait au Rogue. Tout d'abord, le 5 février, on a sorti une version officielle supportée par Red Hat. Et le produit Red Hat, en fait, basé sur Eclipse Chi, qui était très attendu de plusieurs développeurs. On l'appelle maintenant, le produit s'appelle Red Hat Code Ready Workstation. On était à la version 1.0, la version pleinement supportée, version bonifiée un petit peu d'Eclipse Chi. Encore une fois, tellement de produits qui sortent, vous l'avez vu, tellement de nouvelles qui sortent avec le travail qu'on a. J'ai pas eu le temps de l'essayer encore. Je pense que Jeff, je sais pas si Jeff est là aujourd'hui avec nous, mais Jean-François Saussier, mes collègues, l'utilise, m'a dit que c'était super bien. Il devait l'en présenter au Rogue cette semaine, mais je pense qu'il a manqué de temps avec toutes les questions qu'on a eues sur son sujet. En fait, Jean-François a couvert Covert, Container Native Virtualization, en fait. Sujet super le fun, belle petite démo de Jean-François qui va refaire la semaine prochaine à Montréal en passant. Donc, petite parenthèse, donc Red Hat Code Ready Workspace, je vais essayer pour le prochain épisode de l'installer, de jouer avec, et peut-être vous revenir avec ce produit-là. Le 7 février, CloudFormer 4.7 qui est sorti. Donc, pas de grosses modifications sur Red Hat CloudFormer. Des ajouts mineurs, je vous dirais, mais ce qui est intéressant, ce qui avait été demandé par des clients, vous savez qu'on a intégré CloudFormer avec Tower. On pouvait appeler des playbooks, mais on pouvait pas appeler des workflows à travers CloudFormer. Donc, ça a été pallié avec la version 4.7. Et on a fait des petites corrections aussi pour ceux qui gèrent des instances avec Amazon et Azure. Donc, juste s'assurer que c'est toujours fonctionnel, toujours opérationnel. Donc, cette mise à jour-là corrige des petits bugs qu'il y avait avec ces providers-là. Donc, il y a une version 4.8 qui devrait voir le jour d'ici 4 ou 5, 6 mois, d'ici peut-être le summit, même après le summit. Et vous savez, on a annoncé aussi des produits complémentaires un peu à CloudFormer qui s'en vient. Pas une espèce de remplacement, mais deux outils qui vont être consommables, un peu comme Red Hat Access Insight, donc consommables en ligne, qui vont venir compléter des capacités que CloudFormer fait aujourd'hui peut-être un peu moins bien, entre autres lorsque c'est le temps de faire du chargeback. Donc on a quelque chose qui s'en vient au niveau de la gestion à ce niveau-là. Donc ça devrait être précisé dans les prochaines semaines ou du moins au Red Hat Summit. Donc, de mon côté, j'ai vu des premières esquisses de ces produits-là à l'automne dernier. Mais je vous dirais que depuis l'automne, j'ai pas eu d'autres updates sur ça. Fait que, encore une fois, c'est difficile d'en parler. Dès que j'ai plus de détails sur ce qui se passe avec cette gamme de produits-là, CloudFormer et les services en ligne qui s'en viennent, qui vont se rattacher à CloudFormer, je vous en donne des nouvelles. Le 13 février, on a sorti un produit qui s'appelle Red Hat Integration. Donc, c'est une mise à jour sur nos outils d'intégration. Donc, je mets le lien ici. Si vous voulez voir de quoi ça a l'air, je vais le mettre à l'écran. Donc, nouveau produit qui combine quelques produits ensemble. Encore une fois, c'est pas un secteur dans Red Hat que je suis super à l'aise. On a plus
j'ai pas compté la gamme de produits qu'on est rendu, mais on doit dépasser le 45 produits. Donc moi, je m'occupe plus du côté plateforme, côté cloud. Martin s'occupe plus de la section JBoss OpenShift. Et cette section, cette nouvelle offre, en fait, va du côté JBoss. Donc, qui inclut Red Hat AMQ, AMQ Stream et Red Hat Fuse. Bref, je vous invite à aller lire le petit communiqué si vous voulez en savoir plus. Et sinon, si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus, vous pouvez toujours me contacter, mais je vais vous référer aux bonnes personnes à l'interne chez Red Hat pour vous guider sur cette nouvelle gamme de produits-là. Et 14 février, le jour de la Saint-Valentin, drôle de journée pour sortir un produit, mais en fait ici, ce n'est pas vraiment la sortie d'un produit, c'est plutôt une mise à jour d'un produit, donc des satellites 6.4.2. Donc, ce qui est de nouveau, ce qui est vraiment de nouveau avec 6.4.2, en fait, c'est souvent un paquet de bugs qui ont été corrigés, hein. Les versions mineures, en fait, c'est les Z-Stream qu'on les appelle, version mineure de mineure. C'est vraiment de la correction de bugs. Moi, je vous invite, ceux qui utilisent Satellite, ne tardez pas à appliquer ça, appliquer ces mises à jour-là. Souvent, ce n'est pas des grosses mises à jour. On livre tout ce qu'il faut maintenant. On fait un paquet de tests avant de faire les mises à jour pour s'assurer que ça ne cassera pas rien. Donc, c'est vraiment le but ici, c'est vraiment de corriger plusieurs problématiques qui ont été rapportées par les clients. Donc, tardez pas à updater. Ce qu'on a ajouté, ça a été ma surprise quand j'ai vu le README, quand j'ai vu cet article-là, c'est le support pour cloner un serveur satellite 6.4. Donc, dans ma tête, je croyais que 6.4.1, 6.4.0 le faisait, mais on n'avait pas porté le code encore dans 6.4 qui permet un bon cloning d'un serveur 6.4. Donc, on le faisait avec 6.3, mais avec 6.4.0 et 0.1, on ne ferait pas cette capacité-là. Donc, j'ai appris ça en lisant l'article aujourd'hui, pour aujourd'hui, quand la patch est sortie. Mais avec 6.4.2, maintenant, vous êtes correct. Vous êtes en mesure de faire du cloning. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on veut faire du cloning avec Satellite 6.4? Ben, justement, on veut. Pourquoi on fait du cloning avec Satellite 6, pas une version spécifique, là? Lorsqu'on veut prendre un serveur en production et on veut le répliquer en fait en lab, soit pour tester une mise à jour, soit pour tester un changement important. Donc, cette capacité-là est super le fun pour ça. Donc, recréer un serveur qui roule dans un lab ou pour préparer une mise à jour d'un 6.3, un 6.4 par exemple. Donc, cette capacité, moi, je trouve super importante lorsqu'on gère des serveurs satellites. Donc, c'était les dernières sorties dans le sujet principal aujourd'hui. Et on est quelle heure? Il est déjà 1 heure. Waouh, ça va vite. Moi qui pensais qu'il n'y avait pas trop de matériel aujourd'hui. Je vous mets ça ici dans le sujet. Vous parlez un petit peu, justement, tant qu'étant dans le sujet de Satellite, on va finir l'épisode d'aujourd'hui. Vous parlez qu'est-ce qui se passe avec Satellite, où on en est aujourd'hui, des affaires très cool avec Satellite. Et finalement, où on s'en va avec Satellite 6.5, parce qu'on est sur. Je vous dirais qu'on est assez avancé dans le développement de Satellite 6.5. Vous savez que dans le cycle de vie de Satellite 6, on a décidé d'accélérer le nombre de releases mineures de Satellite. Donc, au lieu d'attendre plusieurs mois, ça va se faire plus rapidement. Donc, 6.5 devrait voir le jour. Je n'ai pas de date, je n'ai pas regardé les dates à l'interne, mais le summit, il se passe beaucoup de choses. Il y a de bonnes chances qu'on voit des annonces autour du summit pour Satellite 6.5. Donc, je vais juste regarder. J'ai perdu ma page ici. S'il y a des questions dans le chat, je pense que c'est bon. Est-ce qu'on a encore? Oui, on a encore des gens qui sont là. Excellent. Satellite 6.4. Tout d'abord, ce que je vais vous montrer, quelque chose de cool pour ceux qui étaient présents au ROG. Sébastien a présenté, mon collègue Sébastien a présenté. PCP, un outil qu'on livre avec RHEL 6, excusez, depuis RHEL 7, pardon, et qui va être bonifié dans RHEL 8. Donc, PCP qu'on livre, un bel outil pour monitorer en temps réel ou de façon historique. Donc, PCP garde de l'historique, des métriques de performance de vos applications, de vos processus ou vos machines à Linux. Et on a fait une superbe article vraiment là, sur le sujet. Donc, mon plan aujourd'hui, je voulais implémenter ça avec vous sur mon serveur satellite.
je voyais que j'avais beaucoup de contenu, beaucoup de nouvelles avec vous à partager. Je me suis dit, je ne me lancerai pas dans cette aventure-là, dans cet épisode-là, parce que j'ai l'impression qu'on va, on s'en sortira pas. Je vais essayer de garder ça le plus court possible maintenant, mes épisodes. Pas moins, du moins, pas dépasser une heure. Déjà qu'une heure, je trouve que c'est beaucoup. Mais au moins, vous montrer, vous guider. Pour ceux qui sont des utilisateurs de Satellite 6, je vous mets le lien ici. Donc, il y a un super document qui a été produit par notre équipe Satellite. Et je l'avais partagé à Sébastien, je pense, une journée ou deux avant le Rogue. Il m'a dit, regarde, ce que je viens de trouver, c'est cool. En plus, ça a rapport avec PCP. Donc, et Sébastien, je pense que je ne sais pas si tu es avec nous aujourd'hui. Là. Je sais que tu regardes souvent mes épisodes en rediffusion sur YouTube. Mais bref, si tu es là, je sais que tu as vu des choses... des choses custom qu'on peut faire avec PCP, donc je pense des connecteurs custom, donc c'est ce qu'on démontre un petit peu dans cette documentation-là. Donc en fait, vous avez vraiment le step-by-step pour implémenter PCP, pour aller collecter les bonnes données dans Satellite 6, ok, les différents processus, donc les commandes à lancer, les configurations Apache. Donc, beaucoup de choses quand même. C'est pour ça que j'aurais aimé me lancer dans cette aventure-là avec vous, mais on est limité, comme on est limité en temps. Puis, en fait, j'aurais aimé le tester avant de vous le présenter pour être sûr qu'il n'y a pas de surprise dans ça. Mais ça semble très, très bien documenté. Et ça vous donne, ça va vous donner un beau dashboard à la fin pour aller lire ce qui se passe en temps réel et de façon historique dans votre serveur Satellite. Ça, je pense que c'est quelque chose que les gens qui opèrent Satellite. Les gens qui opèrent Satellite, c'est souvent l'information qu'on veut aller chercher. Souvent, des gens vont m'appeler, vont me dire « Ah, cette opération-là dans Satellite est lente depuis un certain temps, je ne sais pas trop. Est-ce que vous avez des outils pour monitorer votre Satellite? » Oui, mais ça ne me donne pas le détail qu'il faut. Satellite est un produit complexe, un produit qui contient plusieurs produits. Donc ici, on a une documentation officielle qui vous montre comment monitorer d'une façon assez précise et vous générer des super beaux graphiques avec Grafana et Vector. Vector que j'ai découvert grâce à la présentation de mon collègue Sébastien cette semaine. Un outil qui est dashboard graphique pour aller afficher du contenu PCP créé par Netflix et donné à la communauté par Netflix. Donc ce qu'on apprend avec ce projet-là, c'est que Netflix est un gros consommateur, semble être un gros consommateur de PCP. Donc, ça donne du poids à PCP. Netflix est quand même assez gros, on a quand même une grosse infrastructure. Donc, on a donné ce projet-là à l'open source. Donc, j'ai mis l'article en lien. J'espère pouvoir éventuellement vous le démontrer. Mon but, c'est d'en faire l'installation dans mon serveur satellite démo. Donc, ça va faire des super beaux démos pour mes clients, définitivement. Donc c'est une des articles que je voulais partager avec vous. Quoi d'autre? Assez important ici. Article assez important qui est sorti un petit peu plus tôt cette semaine. Je vais la mettre dans le lien qui va parler de ce qui s'en vient au niveau de la base de données avec Satellite. Donc, on a décidé de standardiser sur PostgreSQL dans les prochaines releases de Satellite. Donc, je ne dis pas que ça va se faire à court terme, c'est plus du moyen terme. On va retirer MongoDB, parce qu'en fait, il y a deux bases de données dans Satellite 6 aujourd'hui. On a PostgreSQL et on a MongoDB. Et on a, les développeurs trouvaient ça très complexe, maintenir deux bases de données. Aussi, quand c'est le temps de faire du HA avec ça, deux bases de données, c'est plus tricky qu'avec une seule. Et pourquoi, en fait, pourquoi on a deux bases de données avec Satellite? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est plusieurs produits dans un produit, en fait. Et certains de ces produits open source-là utilisent MongoDB, certains utilisent PostgreSQL. Donc, ce qu'on va faire chez Red Hat, c'est qu'on va travailler les projets upstream, Satellite, et faire le switch de MongoDB vers PostgreSQL. Est-ce que je peux vous donner une date? Est-ce que je peux vous donner un moment où ça va arriver? Non, c'est impossible. Je crois qu'ils sont en train d'évaluer en ce moment, c'est ce qu'on dit un peu dans l'article, d'évaluer les travaux requis pour arriver à faire ça. Mais certes, ça va simplifier
beaucoup satellite 6 et 2 au niveau HC. On a encore, c'est encore difficile de mettre en place un serveur satellite 6 en HC. On est capable de mettre des capsules maintenant, un autre balancer en HC. Mais le moteur satellite 6 est plus difficile à mettre en HC. Donc avec une base de données, ça va être beaucoup plus facile. Donc ça s'en vient. C'est ce que sur quoi les développeurs vont travailler dans les prochaines semaines. Quoi d'autre au niveau satellite 6? Et je vais terminer, je vois qu'il est déjà 1h05, je vais terminer avec ce volet-là. Nous avons parlé un petit peu de ce qui s'en vient avec satellite 5. Je vais juste vous en parler parce que je ne suis pas certain qu'on peut communiquer encore toute l'information. Mais satellite 6.5, quelque chose qui a été demandé beaucoup, on va rajouter la capacité d'un engin de reporting à l'intérieur de satellite 5. Vous pouvez déjà lancer avec la commande Hammer, aller chercher beaucoup d'informations dans satellite et en générer des CSV, générer des fichiers texte. Mais là, on va l'intégrer, cette capacité-là, même l'interface. On va même construire, on va vous fournir par défaut des rapports déjà prêts. On va vous faire juste les rouler. Donc, vous allez pouvoir être en mesure de customiser les rapports et en créer vous-même si vous voulez. C'est écrit une portion en Ruby de ça. Donc, ce que j'ai vu dans la démo interne, c'est que si on va arriver à customiser un petit peu les rapports ou en faire des nouveaux, il faut avoir un certain skill en Ruby. Quoique, c'est pas compliqué. Ça semble pas compliqué. Je ne suis pas développeur Ruby, mais de ce que j'ai vu, c'était assez simple. Donc, mais enfin, on va avoir un engin qui va être directement accessible dans l'interface. Donc, c'est quelque chose qui était demandé beaucoup dans cette élite. On va rajouter la capacité de synchroniser des serveurs satellites ensemble. Donc, ce qu'on appelle Inter-Satellite Sync, quelque chose qu'on avait dans Satellite 5 qui n'était pas dans Satellite 6. Donc, ça va être corrigé avec 6.5. On va bonifier avec 6.5 si vous utilisez Satellite 6 comme repo de vos containers. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup de clients qui font ça. Je me demande si j'en ai un qui fait ça. Mais pour ceux qui ne savent pas, avec Satellite 6.5, on est en mesure de configurer Satellite pour contenir des images Docker. Donc, agir de registre Docker, du moins. Donc, on a bonifié, on a amélioré un peu cette offre-là qui était très straight. Je devine que si on a fait ce travail-là, c'est qu'il y a de la demande. Donc, il y a des gens qui n'ont peut-être pas d'OpenShift, qui n'ont peut-être pas fait l'acquisition de Quay ou de Docker, vont utiliser plutôt Satellite pour stocker les images, leur image de container dans Satellite. Des améliorations au niveau de l'interface, comme en chaque release, on dit au travers de l'audit. Au niveau de la façon de chercher des paquetages, j'ai pas jeté un œil sur ça encore. On va bien sûr avec REL 8. Satellite 6.5 va permettre de gérer du REL 8. Donc, si vous voulez gérer du REL 8 avec Satellite, il va falloir passer à Satellite 6.5. Donc, on va rajouter la capacité de gérer la modularité. Et System Purpose aussi va être intégré à Satellite 6.5. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur Satellite. Je vois qu'il est presque une heure et dix. J'ai couvert tout ce que je voulais couvrir, mais encore une fois, j'en avais mis trop. Donc, prochaine fois, prochain épisode, je vais essayer de diminuer pour essayer de peut-être faire plus 45 minutes pour les prochains épisodes, d'éviter de prendre une heure. Je sais que j'en ai vu plusieurs qui ont décroché après une heure, donc je devine que les gens retournent au travail. Je vais travailler à réduire un petit peu le temps des épisodes. Donc, en conclusion, ben, souhaitez-moi bonne chance pour mon examen RHCE 7 la semaine prochaine. Je trouve ça plate un peu de faire sur 7-8 qui sort, mais dont je n'avais pas le choix. Il faudrait que je rafraîchisse. Je vais prendre une semaine de congé, la semaine de relâche, la première de mars. On va aller au chalet faire du ski. Mon fils va faire du fat bike. On va essayer du fat bike. J'ai un copain qui s'est acheté un spa. On va aller faire du spa. Et de la bonne bière au menu, bien sûr, on est en vacances. Prochain épisode, ce qui fait que je suis obligé de reporter un peu le prochain épisode d'une semaine. Donc, ça va aller dans un mois exactement. Je vise le 22 mars prochain. Et le prochain épisode, je ne sais pas, Eric, si tu es encore en ligne, mais je compte sur toi, Eric, pour venir nous présenter ce que tu fais de bien avec Ceph. Eric a monté un playbook qui facilite le déploiement de Ceph. Vous allez dire, oui, mais Ceph, on utilise déjà Ceph Ansible pour le déployer. Mais Eric a fait quelque chose de bien pour rapidement démarrer avec Ceph. Donc, j'espère qu'Eric, tu seras en mesure de venir nous présenter le 22 mars prochain tes travaux là-dessus. Partager avec les gens qui regardent les épisodes ce que tu fais de bien. Sur ça, je vous souhaite bon week-end, bonne tempête dimanche. Faites attention à vous autres. On se voit bientôt. Bye-bye.